Il fait moins 1. Soit je m'habille, soit je vais chercher mes monsters en claquettes chaussettes, au risque de me geler les couilles. Ça me paraît bien. Franchement, ça va, hein. Je m'attendais à tellement pire. Hop là. Je vous propose un deal. Il y a des jours où je m'entraînerai probablement pas parce que je serai trop courbaturé. Mais ça, on tolère. Ce n'est pas être feignant ou ne pas respecter ses engagements que d'être trop fatigué pour continuer à s'entraîner. Par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le squat. Aujourd'hui, on fait du squat. Vous n'êtes pas sans savoir que mon programme tient sur 4 jours et que par conséquent, je suis censé refaire du squat dans 4 jours. Il est très peu probable pour que dans 4 jours, je sois capable d'en refaire. Et c'est valable pour le dos, les pecs, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les jours où je serai trop courbaturé pour m'entraîner, ce ne sera pas une raison pour ne rien foutre. Donc ce qu'on va faire, c'est que les jours où je suis trop courbaturé pour m'entraîner, plutôt que de ne rien foutre, je serai obligé d'aller faire un kifooting de 5 km, disons, ce qui représente pour moi, hein, plus ou moins 30-35 minutes de course. Et ce sera l'occasion de faire du cardio, moi qui n'en fais jamais, et qui est une énorme queue au cardio. Donc voilà, vu que le but de cette série, c'est de se sortir les doigts du trou de balle, et de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, et bah c'est plutôt pas mal. On utilise ça pour se masser, pour s'assouplir. Ischio, quadri, adducteur. Je m'étire et on fait 4 séries. La dernière fois, lors de ma dernière séance, c'est-à-dire il y a environ 5 ans, c'est pas vrai, 2 semaines, j'avais fait 4 séries de 8 répétitions à 60 kg, donc de la merde, hein. Et ça avait été super dur parce que 8 répétitions, c'est loin, frère, en plus au squat. Donc je sais pas ce qu'on va faire là. Soit on fait 4 x 6 à 70, soit on fait 4 x 8 mais à 65. Je sais pas, on verra, mais dans tous les cas, faut que ce soit mieux que la dernière fois. Nique l'inventeur du squat, nique les jambes. Ouais, flemme de tout filmer, hein. On se retrouve pour la dernière série. Tiens, 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 je viens de regarder le replay. Serait-ce un dos rond que je vous propose? On dirait bien. Donc la mobilité, c'est toujours pas ça, hein. Putain, je vais jamais arriver. Après, pour ma défense, je vous invite à revenir un peu en arrière pour vérifier. J'ai le jogging, je sais pas qui s'est barré, j'avais même pas fait gaffe. J'avais le jogging à mi-fesse. Donc si j'ai l'air très très arrondi, non, c'est mes fesses. Mais j'arrondis un peu, mais moins que ce que la vidéo veut vous faire croire. Je suis en PLS, j'ai fait une série. Je savais que j'aurais dû faire 65, pas 70. Mais ça c'est l'ego, ça c'est... Je me dis, il y a des gens qui me regardent, je peux pas mettre 65 MDR. Je viens de faire ma deuxième série, là. Eh ben, je vais pas vous mentir, je me sens pas bien. C'était peut-être pas l'idée la plus smart de reprendre par les jambes quand on n'a rien foutu depuis 2 semaines. C'était peut-être pas ultra brillant. Moi, c'est tout ou rien. Soit je skip tout, je suis un feignant. Soit j'en fais trop, ce qui fait que je me rétame. Ah, et par rapport au fait que j'arrondisse un peu le bas du dos et tout, s'il y a des gens powerlifters, des gens mobilité, qui savent comment améliorer la mobilité, comment ne pas avoir une rétroversion ou une antéversion, je confonds tout le temps, du bassin, bref, vous avez capté. Bah, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, je prends. Bon, par contre, des conseils un petit peu plus élaborés que « Ouais, étire-toi les ischios ». Ça, merci, j'y ai pensé. Mais je sais pas, des petites astuces pas très répandues, un étirement qui ferait plus la différence que les autres. N'hésitez pas à me dire ça. Sur ce, je finis de comater et j'ai ma troisième série à faire. Je viens de finir ma troisième série. Je pense que je vais aller gerber. Ok, ça va mieux. Rien que pour ça, vous pouvez être sûr que je vais faire ma dernière série. Sinon, ça veut dire que j'ai gerbé pour rien. Nique le squat. Thank you.
Pfff.